Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer de délicieuses ailes de poulet croustillantes que l'on fera cuire au four. Après ça, je vous montrerai également comment réaliser une sauce barbecue maison avec laquelle on fera caraméliser nos chicken wings. J'ai sous les yeux une dizaine d'ailes de poulet, alors c'est parti pour la recette. On va commencer par préparer nos ailes de poulet en les découpant en deux au niveau de l'articulation qui est l'équivalent du coude. On découpe également l'extrémité de l'aile qui, elle, serait plutôt la main du poulet. Au final, on se retrouve avec une vingtaine de morceaux de poulet et une dizaine de mains que vous pouvez conserver au congélateur pour un futur bouillon de volaille. Maintenant, vous remettez vos ailes de poulet dans le bol et vous allez pouvoir les assaisonner avec une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de poivre blanc, une cuillère à café d'oignon en poudre, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de farine et un ingrédient indispensable pour obtenir des ailes de poulet croustillantes, un sachet de levure chimique. Vous mélangez bien votre préparation. Faites en sorte que vos ailes de poulet soient entièrement recouvertes de l'assaisonnement. Maintenant, on va pouvoir les installer pour la cuisson. Ne les déposez pas directement sur un plat, mais plutôt sur une grille. C'est une des conditions pour avoir des ailes bien croustillantes et bien cuites. La chaleur circulera mieux, le gras s'écoulera sans que les ailes ne baignent dedans. Avec la grille, vous ferez du travail de pro tout simplement. Disposez vos ailes sur la grille en les espaçant d'un centimètre avec le côté de la peau vers le haut. Maintenant, après avoir fait chauffer votre four à 220 degrés, placez-les au milieu de celui-ci en mode de cuisson classique, chaleur par en haut et par en bas pendant 50 minutes, avec une mi-temps à la 25e minute pour retourner nos ailes. 25 minutes, c'est plus qu'il n'en faut pour préparer une sauce barbecue. Alors sortez une casserole et versez-y 300 g de ketchup, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe d'ail en poudre, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 3 cuillères à soupe de miel. Vous commencez à faire chauffer à feu moyen tout en remuant avant d'ajouter 15 cl d'eau. Après avoir bien mélangé tout ça, vous allez laisser mijoter à feu doux pendant une trentaine de minutes. 25 minutes sont passées, on va pouvoir retourner nos ailes de poulet. Comme vous pouvez le constater, elles sont déjà bien dorées. La peau est croustillante. Et ça, c'est bien grâce à la levure chimique. On voit également que grâce à la grille, nos ailes sont au sec et ne baignent pas dans le gras. Vous retournez toutes les ailes. Et vous les renvoyez au four pour 25 minutes. Fin du match, les ailes sont parfaitement cuites. Vous les remettez dans un grand bol. Et vous venez verser dessus la sauce barbecue. Vous mélangez. Elles sont prêtes à être consommées, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de les envoyer entre 5 et 10 minutes sous le grill, histoire de faire caraméliser la sauce barbecue. Voilà, c'est terminé pour les chicken wings au four goût barbecue. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous ne l'êtes pas pour ne rater aucune recette. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.